Doc, c'est moi. J'aurais aimé te parler. Je regrette. Je regrette tellement pour tout. J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un. Tout est allé de travers. Je peux pas croire ce qui se passe. Étrange. Petite chose. Combien de fois l'as-tu regardée? Elle doit te manquer. T'inquiète pas, on y est presque. Tu devrais pouvoir la trouver une fois à bord. Vous avez sûrement beaucoup de temps à rattraper. Écoutez-moi, nous y sommes. Synchronisons notre orbite. Tout ça pour un gros morceau de caillou. L'exploitation minière de l'espace rapporte beaucoup, Daniels. Et J7 est une vraie mine d'or et ça intéresse du monde. Cobalt, silicium, osmium... Bon, où est-elle? La voilà. Destination en vue. C'est donc ça, l'Ishimura. C'est l'USG Ishimura. Plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Où sont les lumières? Le vaisseau est si sombre. Caporal, faites-nous approcher et saluer. Et évitons le champ de débris. Nous venons réparer leur vaisseau, pas faire le ménage. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellion, envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Augmentons le signal s'ils sont à court d'énergie. Oui, je sais. Augmentez-le. Plus. Ces engins ne peuvent pas perdre tous leurs moyens de communication comme ça. Vous croyez qu'avec 1000 personnes à bord, aucune ne peut décrocher? Qu'est-ce que c'est? Un circuit grillé, comme on le pensait. À l'entendre, on dirait un problème d'encodeur. Allons-y avec Isaac, on pourra réparer. 48 heures au max. Ok, c'est compris. On y va, allons réparer ça. Recherche gravité enclenchée. Atterrissage automatique. Bordel! Chef, l'autopilote! Qu'est-ce qu'il y a? On dérive, nous allons heurter la coque! Sur les boucliers! Le rayon tracteur et HS, passez en manuel, vite! En plein champ magnétique? Vous êtes malade? Annulez! Non! On peut y arriver! Caporal, ceci est un ordre! Tout le monde va bien? Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez nous tuer ou quoi? Je viens de sauver vos fesses, Daniels. Le pilotage automatique ne tenait plus, on aurait très bien pu s'écraser sur la paroi. Alors on se calme et au travail. Caporal, au rapport. Les propulseurs n'ont plus l'air de répondre, et nous avons perdu l'autopilote et le signal radio. Ça va nous retarder. Ok. Allons trouver de l'aide sur place pour réparer tout ça. Bouge pas, Isaac. Je synchronise toutes les rigs au vaisseau. Ok, c'est bon. Tout le monde se sent bien à l'aise? Parfait. On a encore du travail. Tous au boulot.
Les propulseurs ne risquent plus de répondre. Ils sont totalement détruits. C'est pas croyable. Employé, l'Ishimura. Premier vaisseau de type brique surface en activité depuis 62 ans. Actuellement,